Voilà, ça c'est la canne Xtreme 9300. La canne Xtreme 9300. Et je suis venu faire un test de lancer. Donc j'ai acheté un plomb de 100 grammes. Il n'y avait pas de plomb de 110 grammes, donc j'ai pris un plomb de 100 grammes. Voilà, donc ça lance jusqu'à ici, de l'autre côté. Ça lance jusqu'à l'autre côté là-bas. Donc je ne sais pas combien il y a de mètres, mais il n'y a pas 120 mètres. Il doit y avoir 90 mètres. À 1 mètre du bord. Sans trop forcer. Et là, je pêche avec la petite canne de quenille, je pêche au maïs. Aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée de pêche. Je suis arrivé à 5 heures et là, il est bientôt 8 heures. Et aucune carpe. Juste trois petits carpeaux avec cette canne de Kenny, trois petits carpeaux au maïs en bordure. L'eau se refroidit. Pourtant, il a fait jusqu'à 27 degrés. Mais le comportement des carpes a changé. Oui, ça c'est le petit étang. Il fait 1 hectare. Ben, la saison de pêche, elle est pratiquement terminée. Le 15 septembre, c'est fermé. Là, ils ont déjà fermé. Là, ils ont fait des travaux. Ils ont coupé des arbres. Donc, j'ai pas pu pêcher là-bas sur le ponton. Là, ils ont coupé des arbres. Donc, je me suis mis là. Donc, c'était pas un très bon spot, mais tant pis. Hein. Voilà. Donc dans 20 minutes, si j'ai rien, ben je vais rentrer. La pêche est devenue très difficile. Même les petits carpeaux qu'on attrapait, les petits carpeaux de, les petites carpettes de 10 cm, 15 cm, ben on n'en attrape plus du tout. Elles ne viennent même plus au bord. Alors on se demande même plus où est-ce qu'elles sont cachées. J'ai amorcé, 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 et rien. C'est la fin. C'est la fin de la pêche. C'est triste, c'est la fin.